Des experts à renom international, Guillaume Piero Grifo et Vincenzo Panatieri, dont Rodrigue Poissier, une série formation dédiée à la piqueltier avec bien-être ban handicapé, une initiative dans le cadre prosé ensemble Rodrigue qui peut faire dans Kerko, dans Camp du Roi, ban la piqueltier avec ban représentant différentes associations qui travaillent avec ban handicapé, une réponse présente pour sa formation là. Un reportage, Willy Namano. Dans le premier atelier, ban apiculteur, je suis bien attentif à ban l'explication de formateur. Dans le deuxième, un peu plus loin, ban représentant ban l'association ban handicapé peut suivre une formation le ban droit sa ban dimouna dans la société. Les trois techniques qui nous peut apprendre, qui nous pas connaître, puis nous se suivre, nous guetter ce qu'on compte nous arriver. Qui bon pour nous, c'est qui bon nous pour prendre, c'est qui pas bon nous pas pour servir aussi, parce que ici, le climat n'est pas pareil. Bon, essence est bon, une essence est bon, oui. Nous connaissons l'idée, le bon qualité avec, mon travail, comment fonctionner, oui. Essence, une essence qui est bon, oui. Parce que ça va être un italien, mais même chose qui. Oui, il y a une même formation, nous guettons. C'est guettons comment ça allait, oui. C'est une affaire très, très importante parce que la convention de la personne porteuse d'un handicap, l'intégration d'une personne d'un handicap. Et pour moi, je trouve ça très important aujourd'hui, comme je disais, fait partie. Pour écouter ça, monsieur-là qui est sorti d'Italie. Et c'est très, très, comment dire, il fait nous connaît beaucoup qui tueuse. Parce qu'il est même, dit là, il y a une porteuse d'handicap, il est dans une fauteuil roulante et nous connaît aujourd'hui qui, quand c'est droit, et il peut faire nous connaître quand c'est droit, ben, des enfants, et ben, du, pas des enfants, hein, toutes les personnes porteuses d'un handicap qui ont droit, ont été comment dire, pour inclure dans la société du monde actuel. Mon expert italien, bien motivé, écoulé Edban Rodriguez pour perfectionner dans le domaine de l'apiculture et aussi dans le bien-être des handicapés. Rodriguez ont ratifié la Convention internationale des Nations unies sur les droits des personnes handicapées. On posait une réserve à l'article 11, qui est l'article sur l'émergence. C'est pour ça que nous avons fait un projet pour faire une action concrète avec les autorités, pas seulement de Rodriguez, nous essayons même central, pour faire comprendre comment est possible de protéger les personnes handicapées pendant les crises, changements climatiques, catastrophes, etc. L'objectif de la formation est d'améliorer le management de l'apiculture à Rodrigue, d'améliorer la qualité du management des abeilles et des ruchers. Et donc de comprendre quels sont les problèmes, les difficultés, mais aussi les ressources des apiculteurs de Rodrigue, parce que j'ai vu qu'il y a de bonnes quantités de miel, mais surtout une bonne qualité de miel. Et donc on a l'atout pour pas seulement améliorer la quantité ou la qualité de la production, mais aussi la commercialisation du miel. C'est l'initiative La Pérébina Ensemble qui fait que lancer dans Rodrigue en octobre dernier, c'est la troisième formation qui est organisée par ce programme-là. Chaque mission va être préparée par des partenaires locaux de Ensemble. Ça veut dire soit Rodrigue's Environment Friendly, soit AREF ou soit Kerko. Et nous partageons un peu le travail. Et vu que cette fois-ci, les deux ateliers de travail se passent ici, à Kerko, bien sûr, j'étais un peu plus involvée. Et en tout cas, aujourd'hui, on fait workshop pour les deux. À part ben l'atelier formation, ben expert pour aller au terrain pour ben visite.